Bonjour à tous, chers abonnés, chers spectateurs, c'est Yugo05 et aujourd'hui ma première vidéo pour ma chaîne personnelle de WWE 2K22. Donc dernier opus en date des jeux de la licence WWE, cette fameuse fédération de catch américain qui est hyper populaire. Hein. Le catch c'est un sport divertissement très populaire. Et donc pour cette vidéo je vous propose un combat féminin opposant Sasha Banks à Liv Morgan. Oui, j'espère que je me trompe pas, ce serait vraiment la honte, ou alors... Et donc, je suis Sasha Banks. Alors, si vous connaissez pas le catch, Sasha Banks, c'est celle qui a les cheveux bleus, voilà. Voilà, c'est la schtroumpfette. Alors, donc, j'ai voulu montrer un combat qui soit pas vraiment un massacre, entre guillemets. Même de mon côté, ça ne m'amuse pas trop de battre trop facilement un adversaire dans ce genre de jeu. Et puis, de toute façon, aussi, le rage kit est assez fréquent, j'ai envie de dire, parce que ça ne pénalise pas de quitter un match en ligne... comme ça prématurément quand on sent venir la défaite. Après il y a un menu classement dans le menu principal du jeu, donc je me demande bien ce que ça représente. En tout cas voilà, hein, les jeux WWE n'ont pas vraiment but à être compétitifs. Il y a peut-être des tournois, mais bon, enfin bref. Ensuite, on va parler du nouveau système de combat de WWE 2K22. Alors, cette fois-ci, fini les contres. Vous savez, d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu à peu près certaines de mes vidéos sur l'opus précédent, le 20, sachant qu'il n'y a pas eu le 2K21. Eh bien, les personnages avaient en fait un système de contre qui ressemblait beaucoup, pour ceux qui connaissent, aux permutations dans Naruto Ultimate Ninja Storm, c'est-à-dire vous aviez plusieurs segments d'une jauge, chaque fois que vous contriez une attaque adverse, vous perdiez un segment, et quand vous n'avez plus de segment, il faut vraiment, vous êtes vraiment dans la merde, parce qu'il faut pas mal de temps pour récupérer. Ici, dans WWE 2K22, c'est plus la même chose, on peut vraiment contrer pratiquement n'importe quoi, n'importe quand, sauf quand vous êtes en état, entre guillemets, de paralysie, c'est-à-dire, vous êtes fatigué si vous avez pris trop de coups à la suite. Les jauges, donc, que vous voyez en bas de l'écran, il y a la jauge de santé, évidemment, avec des dégâts récupérables et des dégâts permanents. Il y a la barre bleue en 3 segments qui... Alors, en utilisant un des segments de cette barre bleue, vous pouvez vous relever plus vite, enfin, vous pouvez vous relever, même, tout simplement, si vous avez pris un méchant coup et que vous êtes longtemps à terre. Et en utilisant les 3 segments bleus, vous lancez le signature move de votre superstar, et après vous avez la barre jaune qui vous donne droit au fameux finisher. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le système de gameplay. Après, bon, au niveau des styles de match, on a le classique, hein, là c'est un 1 contre 1, mais on peut évidemment jouer à 2 contre 2, on peut jouer à 2 contre 2 en tornado tag, bref, ceux qui connaissent l'hiver du catch savent à peu près de quoi je parle, savent à peu près à quoi s'attendre dans ce nouvel opus. Et au niveau du roster, c'est très complet, hein, on a des catcheurs et des catcheuses d'hier et d'aujourd'hui, voilà, chacun devrait y trouver son bonheur. J'ai pas encore essayé le mode création, en même temps, moi, je suis pas du genre à passer des heures dans un éditeur de personnages à essayer de créer un perso à mon image, de toute façon. Voilà. Donc, où est-ce qu'on en était, là? Ah oui, voilà. Sinon, vous voyez à peu près, hein, j'ai voulu au départ... filmer une partie avec plus d'un personnage, enfin plus de 2 personnages, voilà, j'ai voulu faire non pas un match solo, mais des matchs par exemple en triple threat ou Fatal 4-Way, c'est-à-dire c'est des matchs chacun pour soi à 3 ou 4. Il y a le mode Elimination Chamber aussi, non mais moi je reste sur le mode 1 contre 1, c'est très bien, hein, peut-être que je vais vous proposer dans l'avenir un combat à plus de 2 personnages, parce que t'as bien connu, plus on est fou, plus on est de fou, moins il y a de riz. Et voilà quoi, c'est... après, j'espère que vous avez apprécié mon petit GMV que j'ai réalisé, mais je suis en train de cogiter, j'ai envie d'en faire un autre sur le même jeu, avec la même musique, qui prendra la place du précédent. Mais j'ai essayé de créer des effets un peu flashy, mais faut dire que j'ai beaucoup de choses à apprendre en matière de montage vidéo. Je dois avouer que je me débrouille, mais ouais, pour faire des effets stylés, classe, j'ai encore énormément de travail, mais je m'accroche, voilà, puisque j'aime ça. Et sinon, le match... moi, j'ai voulu vraiment un match où c'était pas un massacre. Je crois que j'ai déjà dit, mais voilà. Donc, allez, ça y est, une écrase au sol, ouh, tout pied dans la face. Vous voyez, au niveau de l'ambiance sonore et de l'ambiance du match, c'est plus dynamique, c'est nerveux, on a l'écran qui se secoue quand les coups pleuvent, voilà, ça donne un peu un effet de violence aux attaques portées. Vous entendez même les catcheuses crier, voilà, alors je ne vais pas, je vais garder l'image, hein. C'est vrai qu'on pouvait, ouais, bon, je sais pas qui c'est qui des catcheuses ou des joueuses de tennis gueule le plus fort, en tout cas...
ça gueule un petit peu hein, dans ce jeu, hein, contrairement à ce que j'ai. C'est la première fois que j'entends ça dans un jeu de catch. Voilà, je crois que je vais me prendre son finisher dans la gueule. Allez, là, voilà, les bords de l'écran sont rouges. Ça veut dire que je suis vulnérable à un plaquage, voilà, un nouveau coup de pied dans la gueule. Enfin, elle me saute dessus, là, oula. Ça doit faire mal quand même, hein. Je sais pas comment ils font, hein, parce que autant on peut se faire semblant de se donner des coups, ça va, mais on peut pas vraiment lutter contre la gravité. Je dis ça, je dis rien. Et voilà, hop, loupé, à moi. Même le système d'attaque a changé en fait, il faut enchaîner des coups de poing pour terminer sur une prise, enfin c'est un système complètement différent. Excusez mon chien qui fait un petit peu de boucan à l'arrière. Alors, et donc voilà, c'est un nouveau système. Heureusement qu'il y a un didacticiel, hein, mais j'ai fait le didacticiel, voilà. Donc là voilà, ça y est, là vous voyez le mot paralysé au-dessus de moi, ça veut dire que là je ne peux plus me défendre. Je sais pas ce qu'il a fait, je crois que. Alors là, voilà, il me monte dessus, c'est ça, voilà, allez, c'est ça, vas-y, amuse-toi, défoule-toi bien. Alors du coup, allez. Je vais. Alors, bon, après aussi pour se relever en cas de pin, il faut tout simplement appuyer à répétition sur le même bouton. Voilà. Et pareil pour les soumissions, voilà. Comme ça, voilà, ça a changé aussi. Et moi ça va, j'ai l'habitude d'appuyer à répétition sur le même bouton. Ah non, ce n'est pas Track and Field qui m'a initié à cette pratique, c'est Metal Gear Solid. Alors je ne vais pas spoiler un jeu comme Metal Gear Solid, mais je peux vous dire quand même qu'il y aura une phase de jeu où vous devez appuyer à répétition frénétiquement sur le même bouton. Et voilà, j'ai gagné le match par soumission. Voilà, donc c'était donc Yugo05 pour une petite vidéo gameplay détente sur WWE 2K22 opposant Sasha Banks et Liv Morgan. Donc si la vidéo vous a plu, merci, enfin, vous savez ce qu'il vous reste à faire quant à moi. Je vous dis à la prochaine, allez bye, et n'essayez surtout pas ça chez vous, compris? Allez, ciao!